Bonjour, je m'appelle Marc Mariani, je suis un clown depuis toujours. Et puis, je suis le clown au cirque de Noël. Marco, il a commencé à faire le clown depuis tout petit, depuis que j'avais 3 ans, avec la famille Mariani, toute la famille réunie avec le grand-père. Et donc, à 3 ans, 4 ans, je rentrais dans l'entrée, faire une petite chose. Puis, à partir des 6 ans, je me suis décidé vraiment, je voulais faire ça. C'est clown, c'est ma vie. Donc, depuis 6 ans, j'ai toujours essayé d'améliorer, d'échanger, de chercher et, mon image un peu, mon caractère, et puis ça marche, quoi. Et moi, je pars de mon côté. Comme tous les clowns, je pense qu'un peu Charlie Chaplin, les clowns de l'époque, les films des années 30, 40, c'est les sources d'inspiration de tous les clowns dans tous les pays au monde. Donc on va chercher un peu les entrées qu'ils faisaient, peut-être ils sont un peu modernisés, mais c'est toujours la même source d'inspiration, les caractères. Le clown, c'est un grotesque, c'est un personnage comique, à la fois idiot. Donc on va chercher, c'est ça en fait, c'est les années 30 et 40 qui nous aident beaucoup en fait. J'ai toujours travaillé en fait, j'ai commencé mes années de clown en famille, donc on était à trois toujours, et je faisais toujours le troisième clown, puis je suis devenu le deuxième clown, et puis il y a eu la séparation de la famille en fait, donc là je suis devenu tout seul, le seul clown en piste, donc il y a une recherche à faire à part ça, et donc je me suis tourné un peu vers le public. Et c'est une source d'inspiration parce que c'est toujours différent, c'est jamais pareil avec. Et c'est pas répété d'avance, donc c'est vraiment un truc qui se passe au moment avec. Donc il faut voir, comprendre un peu la personne qui est devant. Donc c'est encore un autre travail dans le travail de clown, tu vois. Donc c'est ça qui m'inspire beaucoup, j'aime bien. Et puis ça marche toujours en fait. Moi j'ai toujours cherché une autre manière de faire rigoler, plutôt physique, et, parce que le corps il parle plus que la voix, je pense. Et avec un geste, on peut faire comprendre dans tout le monde en fait, c'est international. Donc moi j'ai cherché, à part que je parle plusieurs langues, ça m'intéresse plus le gestuel parce que c'est vraiment international en fait. Un petit enfant, une personne âgée, un chinois, un africain, tout le monde peut comprendre cet langage.
Thank you.